Pour l'épisode 11-2 sur la Valley Twilight en compagnie du Royaume Olympique Vultran. Bien le bonjour. Bien le bonjour, cher monsieur. C'est Vultran. Et aujourd'hui changement de programme pour moi. Je ne vais pas faire de Triforce. Finalement, je vais faire autre chose. Je vais faire un petit roller coaster. Et qu'est-ce que tu vas faire, Vultran? Dis-nous tout. Moi, je vais faire la déco de la salle à zombies. Genre là, maintenant, tout de suite, vu que je l'avais déjà designé, genre, il y a très longtemps, bah, dès qu'on a commencé, dès que j'ai commencé le design de la Redstone. Mm-hmm. En fait, j'ai commencé le design déco, et puis je me suis dit, putain, on l'a jamais fait, et puis il y a encore un de tes moutons qui est là, hein, qui est décédé. Je vais m'attaquer à ça, et puis après, je vais peut-être faire un beau contour de portail du Nether et tout, genre, un grand portail et tout, parce que notre petit portail il commence à se faire petit et tout. Donc on verra bien ce que je fais. Voilà, donc voilà notre. N'hésitez pas. Je pense pas que tu feras peut-être pas de coupure pour celui-là, j'en sais que tu manques un petit peu tout, je pense, non. Après, tu fais comme on verra si c'est chiant quoi. Moi il faut que ça reste un peu dynamique et que ça reste. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Vultran, ça lui fera extrêmement plaisir à la coutume seulement. Mais pas que la chaîne. What the fuck, on avait une enclume. Je pars dans la salle à zombies. C'est moi qui l'ai rajouté, pourquoi? Ah, non, parce que je me souvenais plus qu'on en avait mis une, c'est pour ça, en fait. Non, t'as fait pas, j'en ai une. J'en ai une pour renommer l'épée de zombies. Donc, on est parti. Ah oui, en fait, elle est renommée. On va faire un petit roller coaster les familles, les gens. Non, ça va être drôle. J'ai jamais fait roller coaster sur Minecraft, c'est vrai que c'est la première fois que ça va être. Ah, mais elle est là, la Mossy Cobble. Je la cherchais. Une expérience un peu. En fait, tu as presque tout ce qu'il faut là-dedans. Mais oui, on avait tout gardé. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder les deux points de vue. Évitez de les coller parce que genre parfois on fait des trucs différents et parfois on fait des coupures différentes. Évitez de les coller parce qu'après ça casse tout. Voilà. Bah ça casse tout, c'est juste que vous serez pas. Vous serez pas avec nous quoi. Ouais ça. Hop. Ça et ça, on casse. Donc là on est en train de faire la file d'attente, tout simplement. Pour accéder au truc. Ah carrément, tu fais ça. Moi je croyais que tu faisais juste un... Ah non, mais non, tu veux pas que je fasse un truc dégueulasse et que je te le ponde en mode... Grave. On va décaler tout ça. Et bon, on fait un truc beau. Et puis s'il faut, à la fin, on fera pas la narration sur cette île. Ça me dérange pas, moi. Tu sais, moi j'ai du temps à tuer. Oui, je vois ça. Là on est un peu enfermé. Donc, et voilà. On va faire ça comme ça. Et là, on va devoir du coup faire le petit guichet. Voilà, tranquillement. Tac. J'ai peut-être une idée, j'ai rien pour ça. Ouais, j'ai creusé ça comme ça. Hop, et hop, voilà, hop. On est pas mal. Donc là, on a déjà utilisé un stack de bois, comme quoi le bois va partir très vite. Hop. Faudra qu'on se cale un petit coffre avec. Un petit coffre avec des... des mains de donc voilà, alors on est parti. Vous voyez, il y a plein de trucs dedans. Voilà. Et on va commencer par une petite montée. Hein. La petite montée des familles, voilà. Tranquillement. Qui est présente dans presque tous les roller coasters de France. Et en fait, ce que j'ai un petit peu l'envie de faire, c'est de passer un petit peu dans les grottes, un petit peu. Et de passer un peu partout. Pour faire l'achievement du coup des minecarts. Donc là, principalement, on fait la montée. GG! C'est un effort. De toute façon, il faut qu'on fasse ça pour faire les barrières autour. Parce que si on fait de la merde, Vultran va arriver à faire « Ah, mais c'est moche, c'est pas beau, ça ressemble à ta tête quand t'avais 5 ans et demi. » C'est comme ça que tu m'imites. Non, mais... C'est, très bien. Non, mais attends, reviens. Reviens, je suis désolé. Quand YouTube prend le dessus, il détruit des familles. À moins qu'on peut faire des trucs, mais genre avec les escaliers. Hop. Tac. Ça peut être pas mal ça. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je mets pas d'escalier, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas. C'est... À l'envers. Tic tac. Pourquoi pas. Hop. Non, pas comme ça.
Donc en fait finalement on l'a dit d'ailleurs dans le dernier épisode, je pensais qu'il ferait pas longtemps, mais finalement il fait 40 minutes. Il y a beaucoup de blabla dans le deuxième épisode. Ouais. Dans le deuxième épisode Dans le dixième, pardon. Donc on va juste rajouter quelques trucs ici, voilà. Non, je préférais avec les. Moi, j'avais pas prévu en fait dans mon design, j'avais pas prévu la montée en minecart, donc j'essaie d'improviser un petit peu. Ah putain, je suis désolé les gens. Pourtant, je pensais avoir tout prévu. Je pensais avoir tout mis sur mon inventaire. Mais non. On verra. On va casser ça. Hein. Je vais te prendre le plus important, on a roller coaster. Déraille. Sinon, il n'y a pas de roller coaster. Évidemment. Donc on va faire un petit truc. Oh putain, ouais, c'est en on. Ouais, bah là mec, ça va tomber mais de ouf. Bonjour. Alors là. Ah ouais, merde. On va prendre dans ce stack en plus. Vous avez remarqué quand même les gens que j'ai absolument pas du tout avancé depuis tout à l'heure, j'ai juste fait tourner en rond. Alors on va casser ça vite fait, bien fait. On va avancer maintenant. Stop, c'est fini. Mes rails. Je ne sais pas du tout où ils sont. Merde, t'as mangé mes rails? Ah non, c'est bon. Non. Et j'ai oublié que les enclumes étaient soumis à la gravité. Là, il y aura. Normalement, il y aura. Hop. On a plus de minecart, en haut. Là. Voilà, là, il y aura des petites vitres. Je pense. Il y a moyen qu'ils ont mettre. Ah, mais si, il est là. Il est là, je l'ai vu. Bon, les gars, vous faites beaucoup trop de bruit là. Ça dégage. Écoutez pas parce qu'ils sont stagiaires que tu leur parles comme ça. On va remplir comme ça tout de cobble classique. Dégage. Allez. On est parti et du coup en dessous pour que ça fasse pas trop dégueulasse, on va mettre des barrières qui suspendent le roller coaster. Hop. La mending aussi l'épée des zombies. La zone basse. Comme ça au moins c'est plus pratique. Je vous jure que c'est pas moi le nom. Hein. À la faute du nom. Oh, il est vénère. Il n'a pas eu son bol de Chocapic ce matin. Je ne mange jamais Chocapic le matin. Tu ne manges plus de Chocapic parce qu'avant t'as mangé. Faux. Je connais le truc sur ta vie. Non. Les gens veulent savoir, est-ce que tu manges des Chocapic à l'âge de 7 ans? Et donc là, vous dites, ouais, c'est pas beau. Regardez. Boum, boum, allez, boum. Est-ce que j'ai vraiment mangé du Chocapic? Arrêtez de me dire ça. Boum, boum, boum. Fait un peu d'aléatoire par-ci par-là. Et là, nous prenons ceci et nous disons et. Yeah, yeah. Ah oui, d'ailleurs, on vous a pas dit, mais on s'est un petit peu engueulé avant de commencer cette petite vidéo. Hein, parce que monsieur dit que je fais des trucs trop linéaires. Ah oui. C'est à propos des routes en fait. Si vous regardez bien mes routes, moi je vais leur montrer. Si vous regardez bien mes routes, tout est carré. Enfin, tout est carré, tout est droit en fait. Et c'est pas conseillé. Et on s'est engueulé parce que genre il avait fait des trous de partout et j'ai pas aimé au niveau du phare. Donc le roller coaster, je préviens, il va peut-être prendre plusieurs épisodes. Hein, les gens, vous attendez pas à ce que je fasse un truc moche en un seul épisode et genre ça soit directement fini. Non, je préfère prendre mon temps, faire un bon truc que de faire un truc moche. C'est Wilfred qui m'a appris ça. Voilà. Prends ton temps, fais un beau truc. Alors que si tu te passes, tu vas faire un truc moche. Un peu comme quand j'ai reçu le FK, j'ai fait un truc moche, je l'ai attaqué dans le dos. Tu te sens trahi maintenant, mon frère? Non. Quel FK? Le dernier en date, enfin, avant que. Normalement, il doit être sorti le FK que j'ai fait avec Lynx, il est toujours. On arrive à le terminer. Mais. Est-ce que tu te sens trahi par rapport au FK qu'on a fait avec toi? Le mec, il y a une mémoire, mais plus que sélective, là, c'est oubliable. La mémoire, je l'utilise pas pour ça, t'inquiète pas, j'utilise bien pour autre chose. J'espère. Mais pas pour ça. Alors, donc, tout ce qu'il aura à faire, ce gros flemmard, c'est d'avancer un petit peu. Un peu compliqué. Et il me semble qu'un rail détecteur, ça te fait enlever ton main carte, hein, il me semble. Non. Il n'y a pas de rail. Ça te fait des pop, genre un activateur rail là. Ouais.
Non, ça te fait. Ça t'enlève de ton minecart, mais ça fait pas des pop le minecart, non? Non, mais c'est Ah, ça casse pas. ça. Ah merde, ça casse pas. Bois, bonnes. On va faire une petite montée Ah! pour le raid. Y'a quoi derrière ce putain de bloc? Une torche, génial. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, putain, mais. Faites un de ces bordels, vous! Je propose un truc, les gens, c'est qu'on va couper ça. Ah! Je suis soulagé, mais d'une force là. Mes oreilles ne pouvaient plus. Normalement, tout est Et donc, activé. On va rester fermé ça. Pour une fois, que c'est moi qui fais joujou avec de la redstone. Ouais, grave. Je suis une merde. Je suis une putain de bite en redstone. Oh, c'est pas activé. Et pourquoi ça s'est éteint? Allume-toi, toi, peur. Ah, parce que j'ai fait un bloc de trop. Oh, putain. Ok, c'est bon. Tout s'est réactivé normalement. Ok. Ok, parfait. Allez, les derniers. Et normalement, tout est activé. Hop. On a nos rails qui sont activés. Normalement, j'ai l'impression. On va tester. Donc, est-ce que nos rails sont actifs? Oui, ils le sont. Par contre, ils vont pas très loin. Donc, on a une première étape. Donc là, on a une base. Donc, c'est-à-dire une petite montée des familles. Ensuite, on va tranquillement commencer le roller coaster par une visite de la grotte dont je ne trouve plus l'entrée. Tu as rebouché l'entrée de la grotte? Oh, certainement, j'ai peut-être dû faire un peu de terraforming. Ah merde, attends. Il y a l'entrée des. Attends, t'as même rebouché. Ah non, l'entrée de derrière, elle est là. Donc je vais la prendre. Bah oui, c'est vrai. Oui, ici c'était de l'ancien, c'était l'ancienne salle pour les villageois qui était prévue. Elle ne sera jamais construit. Oui. Non, jamais. Voilà, ici, tac, tac, tac. On va prendre du coup toute cette merde et on va les bouger. Alors, ce serait bien qu'on soit plus bas. Commencer à descendre là frère. Ça va être assez relou à faire ça les gens, mais on va le faire. Ça fera un petit toit bien en relief comme ça on sera bien. Tac. Hop et on est bon, tac, tac. Et là encore on descend, on est des thugs. On descend dans cette grotte. Et rien ne nous arrête, rien ne nous arrête. Hop. 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 Pour l'instant, c'est tout en que les gens, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Donc, tout ça, c'est bon. Alors, ensuite. Don't panique, cela va changer. Don't panique, cela va changer, oui. Bah, écoute, you and the English is very well. Yes, of course. La flemme de mettre la traduction. En même temps, pour clasher un peu, pour mettre de l'humour, en termes de montage, on peut dire que tu as la flemme pour tout, hein. Ça y est, le mec qui fait 20 heures de montage par semaine, il est là et tout, il est professionnel de Sony Vegas Pro. T'as été payé? Moi, pour te clasher? Ouais, j'ai été payé 50 euros. Non, pour donner la marque. Ouais, j'ai été grave payé. Genre, on m'a payé genre 5 centimes. Et ils vont même peut-être m'offrir des chaussettes. Peut-être. Ils sont pas encore sûrs parce que ça coûte assez cher, tout ça. Non. Pourquoi ça donne cette merde? Ils sont en train de voir le prix. Alors là, il y a plein de trucs qu'on va ramasser peut-être. Ça donne pas vous. Ça donne pas comme prévu. Et Vultran, il aime pas ce qui n'est pas prévu.
Merde. Bon, faut que j'utilise des trucs en plus, mais... C'est pour la beauté de la chose. C'est pour la beauté. Tu fais un truc beau. On s'arrêtera évidemment quand Ultron aura fini hein, tout son truc. Pour le moment, tant qu'il n'a pas fini, on peut continuer. Ça prouve qu'on n'a pas fait long dans l'épisode. J'en sais rien du tout, moi j'ai plus de timer, j'ai plus rien. T'as plus de timer, t'as plus rien? Non. Tu sais où t'habites au moins? Non. Ah. Je sais pas. Ça va commencer à devenir problématique, ça, t'es au courant ou pas? Non, je me fais pas trop de soucis, mais apparemment, ouais, ça va commencer à devenir problématique. On me l'a déjà dit. J'ai dit plusieurs fois, écoute. Je suis en train de voir avec ma secrétaire, mais elle veut pas m'aider. Elle m'a dit, vite ta mère, tu te démerdes tout seul, comme un gros garçon. J'essaie de comprendre là qu'est-ce que j'ai mal fait. À part ma vie. Ta-da. Boom, bitch. Ouais. Donc alors attendez, 1, 2, 3. Là ici, 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Parfait. Alors on va poser des blocs. Ici, ici, ici. Et les trois derniers qui vont restrictivement ici. Voilà. Pourquoi ici ça a été défait? C'est chelou, mais c'est pas grave. Hop. Bon voilà, en tout cas on a tout fini, tout ce qui était en cubble, donc là c'est très très cubblé, hein, on va pas se mentir. J'ai oublié quelque chose. Enfin, il fallait bien que j'oublie quelque chose dans l'épisode, évidemment. Barre-toi. On remonte. Toi aussi, barre-toi. Oui, on vire tout ce dont on n'a pas besoin, comme ça ça nous garde de la place. Tac, tac, tac. Et donc là, on va pouvoir commencer. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça fait au niveau du roller coaster. On va le tester. Hop. Salut, Araignée. J'ai oublié plusieurs choses. Qui m'a fait penser maintenant. Si t'as oublié plusieurs choses. Ça m'a fait penser. On regarde d'ici. Ah, c'est pas dégueulasse non plus. Depuis le portail. Alors il va me falloir ça. Avec le petit tour qui va là. Qui ça, on va prendre ça comme ça là, tranquille. Pour moi c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien perso. Avec la petite queue que j'aime beaucoup ici. Qu'est-ce que la petite queue? Non mais la file d'attente, ça va. Putain, mais il faut toujours qu'il y ait un creeper qui vienne me les briser. Bon par contre ça va très vite. Putain, ça m'énerve. Ils ont cassé. Il a cassé ma petite queue. Ah non, c'est bon, j'en ai. Oh non, mais putain, je vais mettre un creeper. On va utiliser du white, hein, les gens, on s'en fout. Moi j'utilise free white. Waouh! J'arrive, mes dents sont 10 fois plus blanches. Alors, 12. Tac, on va pouvoir réparer cette merde. Putain, il casse les couilles ce creeper. En plus, genre, je l'ai vraiment pas vu. Je ramasse les melons, les gens vont en avoir besoin. Dans le prochain épisode ou dans l'épisode. Dans l'épisode d'après ou. Non, pas dans. Là, franchement, les gens, c'est vraiment l'épisode où on se pose, où on fait des trucs. Ça va plus être du gros fight pendant un petit bout de temps. Prochain épisode, normalement, il devrait y avoir un peu plus de redstone de mon côté. Normalement. Tu veux faire quoi? Tu veux si faire tout va bien. J'en sais trop rien encore. Faut que je me décide. Donc, par contre, je sais plus où est-ce qu'ils étaient. Il me semble qu'ils étaient là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et on est parti. On repose tout ça. Non, alors ça, c'est une torche de redstone. Ça, je le garde avec moi. Donc voilà, donc là, on a fait la première partie dans la cave. Et ensuite, on va continuer à peu près. On va faire un petit zigzag par là-bas. Alors, les gens qui me regardent et qui écoute Vultran, vous devez vous le trouver complètement dingue, ce qui est logique. Hop. Mais ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement sensé.
Donc là, on a bien vu qu'il nous restait encore beaucoup de vitesse. Donc ici, on peut utiliser. J'ai l'impression d'être dans un cours de physique, quoi. Et il nous reste beaucoup de vitesse avec le mouvement d'inertie divisé par la puissance. Non, c'est le portail, quoi. Et on voit bien que la molle... On va se calmer, hein. On va se calmer avec la physique. Voilà, magnifique. Alors, la pouffe. Là, on va mettre une petite torche. Tu as bientôt fini, toi, ou pas? Non. Ah ouais? Faut encore que je mette toute la... Faut encore que je mette quelques trucs, ouais. Donc oui, c'est vrai. Ok. Alors, il va falloir casser ça, les gens, et ça va être chiant, très chiant. On va faire un petit accès là, vite fait, bien fait. Tac. Je vais laisser faire son accéléré, moi je vais pas. Hop. Je vais faire un accéléré là. Je vais revenir. Ouais, 2 minutes. Je sais que ça vous fait beaucoup d'élips en l'espace de 30 secondes. Les charbons, on va pas tarder à se quitter, je pense. Comme ça, on fera les trucs plusieurs fois. Ouais. Pourquoi tu fais ton accéléré? Hop. Ouais, je pense que je vais faire un petit accéléré, les gens. Tranquillou. Donc, je te propose que tu viennes checker juste le roller coaster. Et je vais te checker un peu ce que tu veux faire. Donc, reste dans ta salle. Faut que je casse quelques blocs encore. Donc on va aller voir Vul. C'est à côté du phare, du phare Pélis. Hop, attention, on va aller voir Vultran. Et là, le déco qu'il nous a fait. C'est très cobaleux. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Si tu m'as fait tout en mossy cobble. Ah, non, c'est pas con de faire ça. Et ça c'est quoi? Et donc ça c'est pour voir le système. Très bien. C'est pas bête. Ils ont beaucoup de cobblestone dans la main par contre. Ouais, mais ça c'est parce que je les ai donné. Et donc là tu as fait l'accès à la mine. C'est hyper bien. L'accès à la mine, normalement ça s'est bouché. Genre ça, normalement tu vois pas. Non, franchement c'est bien. Et c'est pas fini encore, il faut encore que je mette quelques mossy cobbles de 3 par-ci par-là. Tu peux les buter, hein. Normalement tu les one-shot. Allez. Ah non, tu les as déjà butés en fait. Ah non, what the fuck. Il est bête. Donc, je te propose de venir avec moi maintenant. T'as pas pris de minecart, putain. Ouais. Prends le minecart. Y en a un là, je crois, de minecart, j'en ai un. C'est bon. Bah. Allez, go. Attends, je vide mon inventaire un petit peu là. On est parti, on va faire du coup. La cobble que j'ai là. On va faire du coup un petit roller coaster. Enfin, c'est que le début, mais c'est ce que j'ai fait en l'espace de 20 minutes aujourd'hui. Enfin, je montrerai peut-être un petit peu le roller coaster off, parce que sinon ça va être très long. Et je vous montrerai moi un petit peu mes avancées. Je vais le faire off, je pense. Je finirai ça en accéléré. Tout voilà, à l'heure, les gens, ne vous inquiétez pas. Vous aurez ça après. La fin de l'épisode. Non, pas après la fin de l'épisode, je crois. Je vais montrer ton roller coaster et puis après, il y aura l'accéléré qui se lancera et puis on fera le 3 après. Ok. Donc. Quand tu veux, Jamie, je sais pas où t'es. Jamie est disparu. Merde, j'ai déposé mon minecart, t'en as encore un? Non. Je peux en donner un et tu m'as dit que t'en avais un. Donc normalement, tu dois en avoir deux. Oui. Non, mais en fait, je les ai déposés dans le coffre comme un débile. Ça arrive à tout le monde. Je suis désolé. J'en ai marre de lui. Aidez-moi, soutenez-moi, faites un don pour une partenaire. Qu'est-ce que t'es? C'est Thomas Disfer. Une carte pêche, je suis retourné dans le spawner à zombie. Oui. On spam clic. Allez, hop. Yep. Et là, on arrive, on voit qu'on perd un peu de vitesse ici. Donc il va peut-être falloir qu'on se donne un petit peu de boost pour aller dans la forêt. Donc non, ça va pour le moment, ça va, c'est sympa. Ça m'énerve comme ça peut, comme ça là. Allez, viens là. J'arrive. Jackie, t'es là. J'ai un minecart. Je suis le chemin.
Putain, maintenant on a des trucs jaunes et rouges. C'est la Boomba ici. Voilà. Oula. Bonjour. Donc là, tu arrives dans la petite queue. Ça dépaysage moins que tu pensais. Ce que je pensais. Non, ça va, moi je fais des trucs propres parce qu'en fait, moi j'ai un bouquin en fait et genre. J'ai un bouquin en fait de build et dedans il y a un truc de roller coaster. Donc du coup, je me sers un peu de ce que j'ai eu, de ce que je comprends. Et franchement, si je fais ça un peu discret, tu vois, ça peut être stylé quoi. Voilà. C'est que le début, mais comme je le dis, c'est très long de faire un roller coaster. Donc bien, on. Bah là, il va falloir faire des accélérations genre ici. Ouais, je là, sais. Sur ce rail-là, tu feras une accélération. Là. Ouais. Là. Là aussi, t'en feras quelques-unes parce que si après, sinon. Après, c'est vrai que c'est assez coûteux. Ouais. Les cartes power comme ça. Donc, vas-y, donc là, donc, on imagine qu'il y a l'accéléré de Vultran qui vient de se passer. On va se laisser là, les gens. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et, c'est... Et tu sais quoi ? Nique sa mère, c'est pas moi de faire l'outro. Oui, vas-y. M'en fous. C'est à toi, monsieur. C'est pas comme si t'avais. C'est pas comme si t'avais parlé tout le long de l'épisode. Non. Vas-y, fais au fond. Vite avant que la vidéo vous arrête dire 25 minutes. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dragon68 et à la Coustime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et en plus, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça nous fera. Totalement plaisir aussi, j'ai pas de pseudo, au revoir. Et donc, le mot de la fin, tiens, c'est à toi de le dire cette fois. Le mot de la fin, les rôles s'inversent. Parce que toi t'as fait du build et moi j'ai fait un peu dans le dessous, voilà. Grave. Hop, bah au revoir. Au revoir, salut. Allez, bye. Bye bye.